Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Pepe le Nouveau Monde. Pourquoi? Et aussi Bounty Pirate maintenant. Parce que j'ai une vidéo, il y a un viewer qui m'a envoyé, un viewer qui s'appelle Xemac, merci à toi, qui m'a envoyé du gameplay de Yamato. Et en même temps, on a le nouveau Marco, comme on n'a plus les ordres d'exécution. C'est un peu chiant, du coup, les gameplays, on voit pas. Du coup, attention, spoil. Yamato, j'ai pas encore vu les compétences, mais peut-être ça va vous spoil. Du coup, attention à vous. Mais après, si malheureusement vous jouez au jeu et que vous jouez contre des Yamato et que vous voyez l'animation, bah vous allez vous faire vous spoil vous-même, bah vous faire spoil plutôt. Du coup voilà, à vous de voir si vous voulez regarder ou pas les compétences. Mais en tout cas, nous on va regarder. Il a lancé un petit combat. Du coup, il est sur le serveur 292. Il nous a fait un petit combat normalement. Bon, on m'a dit qu'il s'est fait exploser. Mais bon, on va voir. Il a sa team. Ok, vous voyez pas bien, mais en gros, bah, il vous montre bien sa team. Du coup, il nous montre sa team. Ok, et du coup, il va jouer contre une team avec un Marco et un Yamato. Une personne dans son serveur qui a Yamato et Marco. Du coup, voilà, il a même sabot, Shanks et voilà. Enfin bref, on verra les compétences. Malheureusement, il n'y a pas de son. Du coup, voilà la première compétence de Marco Pays de Oie. Il n'y a pas de son. Du coup, on fait sans son, malheureusement. J'aime bien les sons des compétences, mais tant pis. Je vais pas embêter plus en disant, ouais, tu peux refaire avec le son. C'est pas grave, déjà, on a l'animation. Il a mis en x1 pour qu'on voit bien les animations. C'était pas obligé ça, mais bon, merci Ali. Du coup, on va voir. Du coup, Zoro qui attaque et qui s'est lancé. C'est vraiment lent en x1. Hein. Putain, on se rend compte que c'est vraiment très lent en x1. Hein. C'est incroyable. Oh, Yamato qui attaque. Oh, ah, sa première compétence, du coup, qui est bien, du coup, le dash qu'elle met avec son gros coup de. Je sais plus comment s'appelle l'arme. Le gros coup de masse. Je sais pas si vous avez bien vu derrière ma caméra. Je vais peut-être changer de place ma caméra pour qu'on voit bien les animations. Attendez, on va laisser comme ça et. Je sais pas si vous avez bien vu la compétence, je vous la remontrerai sinon. On regardera. Mais elle met un gros coup de massue quoi et fait un dash en même temps et fait un fouf. Comme quand on l'a mis sur ulti du coup. Voilà. Voilà, comme j'avais dit. Hop. Du coup, oh, l'animation. Ok. Ok, ça nous spoil son Zoan. Pour ceux qui n'ont pas vu du coup son Zoan avec son Animonly, ça spoil le Zoan. Après l'animation est grave stylée par contre. Avec le son ça doit être incroyable. Avec le son ça doit être incroyable. Du coup là ça nous spoil son Zoan. Du coup on savait qu'elle avait un Zoan vu que c'est un dans l'équipage de Kaido quoi. Bah après elle est pas vraiment dans l'équipage de Kaido. Oh, voici l'animation de Marco du coup Pays de Oie. Animation vraiment pas mal aussi où son phénix fait un peu des dingueries de tous les côtés. Attendez, je vais peut-être passer ma caméra de l'autre côté pour que vous voyez. Hop. Ah, vous l'avez vu là, pas besoin. Vous l'avez vu comme elle affiche. Elle a attaqué sur la première personne. Et du coup, voilà, on a les animations. Vous avez vu. Du coup, en vrai, l'animation de Marco et Yamato sont vraiment stylées. Même là. Bah, attendez, la toute dernière, là. On va revenir dessus. Juste celle-là de Yamato, je la trouve stylée. Avec le son, ça doit être incroyable. Ici, celle-là, là. Elle est mise en mode énervé, en mode électrique. Et bam. En vrai, rien que celle-là est stylée, je trouve. Ensuite, bah, il y a la grosse animation de Yamato. Vraiment pas mal aussi. Vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Les animations sont stylées dans le jeu. On va pas se mentir. Ensuite, il y avait celle de Marco, du coup. Celle de Marco Pays de Oie. Du coup, celle-là où il se transforme en vrai phénix entier. Et là, il fait des dégâts de zone. Ok, en vrai, vraiment stylé. Vraiment stylé, vraiment stylé. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Des animations. Dommage qu'on n'a pas le son. Avec le son, ça va être encore plus stylé. Dommage qu'on n'ait pas le son des animations. Mais une prochaine fois, je demanderai avec le son directement. Ça sera encore mieux. Du coup, voilà. Bah, merci encore à Xemac pour la vidéo. Et du coup, j'ai fait une vidéo pour vous montrer les animations. Pour ceux qui n'ont pas Yamato ou Marco Pays de Oie sur leur serveur, ou qui sont sur des nouveaux serveurs, ou qui n'ont pas encore accès au VR, pour que vous voyez les compétences. Même moi, sur mon serveur, il n'y a pas de Yamato ou de Marco pour l'instant. Du coup, j'avais pas vu les compétences, et vu qu'il n'y a plus les ordres d'exécution, je ne sais pas pourquoi. Et ben voilà, j'ai demandé du gameplay et on a eu les deux en même temps, c'est vraiment pas mal. Du coup, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, merci encore à Xemac une troisième fois, je vais le dire, pour le gameplay. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.